Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Nocturne pour un nouvel épisode de Prison Architect. Ouais, on aime ce jeu nul, hein, qui fait toujours plus de vues qu'un Return of the Obra Dinn qui vient de sortir. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Vous aimez des jeux de merde? Si, faut que je vous le dise. Moi j'aime des jeux... Oui, mais moi je suis une merde. Donc je vous emmerde. C'est une histoire de merde, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas test. Dis donc, en fait, j'ai bien avancé sur cette prison. Ah oui, je sais même pas si vous avez vu tout ça. Ouais, j'étais en train de faire des quartiers en fait la dernière fois. Je sais même pas ce que je vous ai mis dans l'ancienne vidéo. Je sais que j'ai avancé. Je crois que j'ai dû bâtir ça que vous avez pas vu. Je suis pas formel. Je vous préviens, je suis pas formel du tout. Mais je crois. voilà. Et du coup, bah voilà, on fait du bif, hein, voilà. Moi j'arrive, j'ai comme ça, tu vois, je prends un peu de pognon là, comme ça, tu vois. Tu vois, et encore ma salle d'exportation, tu sens qu'elle est un peu petite, hein. Tu sens que c'est un peu restreint comme endroit, hein. Tu sens que on l'agrandirait, que ce serait pas mal, lui. Tu vois, regarde, déjà 11 400 là-haut, là. Hop là, ça monte encore, on s'éclate, quoi. On se la dilate, on se pète la rate, c'est rigolo, quoi. Voilà, tu vois, j'attends dans mon camion tranquillement, je vends tout ce que les mecs ont sur eux, voilà. Ça monte, on est à 15 000 balles, voilà, ça monte encore, ça monte, voilà, ça monte, ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais, c'est sans fin. D'ailleurs, il va falloir que j'arrête à un moment donné, parce que c'est vraiment sans fin cette histoire. Hein. Bon, 16 000 balles, bon bref, voilà, on a fait 16 000 balles, et ils vont nous remplir ça, vous allez voir, en 3 secondes. Ça va être violent, enfin, ils vont remplir ça assez rapidement. Ici, ça cape au plafond, mais ça tient. Ouais, quand même... Franchement, j'ai un peu de pognon, je pourrais quand même mettre une pilasse. Hein. On va mettre une pilasse. Un condo, histoire de dire que ça pète pas, quoi. Voilà. C'est vraiment histoire de dire que ça pète pas. Donc, vous voyez, ça s'est déjà rempli. Hein. C'est déjà... Ah, le jeu qui me vend du rêve. Cool. Fouiller le bloc de cellules. Ah oui, c'est, du coup, c'est une seule et même cellule. Fouillez-moi ça. Se prépare. Ah, je sais pas, j'avais lâché des cours. Ah, ouais, putain, il y a du bois dans tous les sens. Regardez-moi ça. Il y a du bois partout. Ça veut rien dire. Ah, ouais, faut me fouiller ça aussi. Hein. Et hop. Fouiller tout. Hein. Voilà. Alors, les mecs, ils ont une prison grand luxe et ils cherchent à s'évader. Moi, je comprends plus rien. Moi, je vous le dis. Hein. Je comprends pas. Hein. Moi, on m'a fait une prison comme ça. Je reste dedans toute ma vie. Je sors de là, je tue des gens. Je m'en fous. Ah bah il faut. Ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs. Ah oui, je crois que j'avais un problème d'effectif. Alors attention. Je crois que notre gros problème, c'est une question d'effectif. C'est-à-dire des ouvriers, des gardiens. Ouais, c'est ça, on vide l'exportation tellement il me faut de gardiens. J'ai tellement de postes. Tellement de moniteurs. Et... conneries du même genre que on n'y arrive plus. Système de contrôle des portes. T'es connecté? Ah non, t'as pas de connexion toi. Mais c'est parfait. Toi aussi? C'est parce que non connecté. Il y en a combien qui bossent? Ok, d'accord, il y en a deux qui bossent, quoi. Parce que à tous les coups j'ai commencé par le haut. Voilà, je suis un génie. Écoutez, on va bien faire les choses. Hein. On va sortir, voilà. Les vrais arguments commerciaux. Voilà. Paf. Où les portes doivent s'ouvrir comme ça, à ce que je vois. Voilà, voilà. Oui, j'ai remis du son, de la musique, tout ça, je trouvais ça cool. Il y a eu des incidents il n'y a pas très longtemps, je crois, ça va. Ok. De quoi costons? De quoi costons? Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, logistique. Qui bosse quoi, où, quand, comment? Personne ne bosse. Si, si, j'autorisais tout le monde à travailler comme des nœuds. Très bien. Bien sûr. Ah, ils squattent la bibliothèque. Il y a des gens très intéressés dans la bibliothèque, voyez-vous. Où les emplois de cuisine? On peut former 21 cuisiniers. Putain. Ah ouais, on peut en mettre 36 dans la prison. Cette prison va être très propre. Dans la salle de nettoyage.
La salle de nettoyage, on l'a blindée. Ok, très bien. Oui, en termes de déploiement, parce que, attention, méfions-nous. Ça, c'est du secteur partagé, ça me va. Pourquoi ça, ça serait du secteur partagé? Il n'y a aucune raison que quelqu'un d'autre que du personnel y ait accès. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Voilà. C'est absolument aucune raison que ce secteur soit partagé. Les parloirs, pourquoi ils sont partagés, je sais pas. Ah, c'est parce que c'est la partie civile. Oui, on le laisse comme ça dans le doute. Je voudrais pas faire bugger le jeu. Je voudrais pas casser le jeu. On est pas mal. Je crois qu'on peut admettre des gens dans cette prison. Je suis pas formel. Qu'est-ce qu'il y a pas ici? Oui, impossible d'accéder. Nice, parfait. D'ailleurs, faut que je fasse un truc tout de suite. Hein. Sinon, je vais avoir des emmerdes. Je vais avoir des gros problèmes. Voilà, c'est ça. On annule tout ça. Ça, en fait, c'est pas des cellules. On vous a raconté des mensonges. On vous a menti. Fouiller les toilettes. Bon, bah, ça va partir sur une fouille générale ce soir, hein, je pense. Hein. Disposer de 10 prisonniers ayant réussi le programme de formation scolaire pour débutants. Ah, on est à 7. On fait des trucs, hein. Bon, alors, on a combien de tolars? On a rien. On a 5 clodos. Peut-être un petit peu rempli, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire genre. Hein. Ah oui, on a vraiment 5 mecs, quoi. Wow. Moyenne sécurité, faut ouvrir, hein. Faut ouvrir, les mecs. Hein. Voilà. Ah, mais ouvre à fond, hein. Voilà. On rentre du tolar, parce qu'on a, on a de quoi en rentrer. Donc, il n'y a pas de raison de se gêner. D'ailleurs, on peut cesser de verrouiller cette porte ouverte. Je pense qu'on peut également cesser de verrouiller cette porte ouverte. Et on peut faire pareil pour celle-là. Ça, si vous avez besoin de les fermer, vous fermez. Il n'y a pas de problème. C'est quoi, c'est tout ce secteur? Je pense qu'en fait, en vrai, il est encore en construction. Hein. Aucun prisonnier effectué à prendre ses repas dans cette cantine. Pardon. Est-ce que le jeu va commencer par me saouler comme ça? Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui... Hein? Quoi? Pardon? Non, 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 il n'y a pas de ça, hein. Non, Non, t'arrêtes ça tout de suite, hein. Arrête tes conneries, Jack, hein. Non, non, tu... Viens-moi ça, hein. Il n'y a pas de... Pas de tout ça, hein. Non. J'ai dit non. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, il faut des prises. Ouais, ouais, il faut des cantines quand même pour nourrir tous les clodos qui sont en extérieur. Oui, certes, oui, c'est vrai. Oui, pour l'instant, personne n'est habilité à prendre ses repas dans le coin, dans le pays, dans la région. Je pense qu'une augmentation du personnel de cuisine significatif serait de bonne aloi. Beaucoup de bois, hein, inutile pour elle. Tiens d'ailleurs, allons nous faire une petite vente de bois. Quoi, c'est tout? Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Les ouvriers me déçoivent, sachez-le. Ouais, c'est vrai que j'avais quand même construit un peu plus de cellules de trucs moyens pour avoir des gens qui étudient plus longtemps. C'est vrai que j'avais eu cette idée folle. Mais néanmoins cosmique et phénoménal. Ne l'oublions pas. Je ne sais plus du tout ce que je faisais dans ce jeu, hein. Mais je vous jure, je faisais quelque chose, hein. Moi de mémoire, je faisais un truc, hein. Voilà. J'ai copié les portes avec. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ouais, complètement. Je suis un génie, hein. Certains diraient ouais, complètement. Voilà. Alors, méfiance, on se met en pause. Parce que tout peut très mal tourner à n'importe quel moment. Je m'explique. Là, ils vont essayer de me les remplir de prisonniers. Donc, on se met en pause. Et on passe plus tard. Voilà.
Ok. Du coup, c'est cool, hein. Vas-y, on construit ça là. Hein. Top. Oui, du coup, j'aimerais bien mettre une cellule là, dans ce coin-là. Que je vais être obligé de moi-même designer, évidemment. Et évidemment, évidemment. Évidemment. C'était à prévoir. Ah. Ok. C'était à prévoir. Donc du prisonnier de haute sécurité comme on les aime. J'ai pas fait de très haute sécurité ni de condamné à mort pour l'instant. Bien que j'ai prévu des chaises électriques partout. Hein. Eh, je suis un mec qui voit le côté pratique avant tout. Même si on est dans une prison de luxe. Quand même pas. Quand même dans une prison avant tout. Et directeur de prison avant tout. Évidemment. Voilà. Je vous invite à chiller avec moi tranquillement. Sur un prison architecte. Peut-être êtes-vous en train de faire votre petite prison en plus d'ailleurs. Je sais pas. On s'en fout. On chill. On en profite. Hein. On a grandi le quartier résidentiel qu'on appelle le mur des cons. Évidemment. Pour lequel on a beaucoup d'amour. Ouais, on va l'amener jusqu'au bout quand même. Je vais dire, oh, on va peut-être pas détruire cet arbre là. Si, si, on va aller jusqu'au bout. Construisons ce mur des cons et des sanguins, et certains diraient même des cons sanguins, jusqu'au bout. Pourquoi j'ai un décalage? Ah oui, j'étais obligé de construire une fausse cellule pour faire genre. Je m'en rappelle. Paf, bah écoute, on va continuer à tirer des portes, hein. On n'est pas comme ça. Hein. On va continuer à tirer des murs des cons à l'infini. Ok. Toujours la même playlist, hein. Elle n'a jamais changé, hein. Si jamais vous avez déjà regardé un épisode de Prison Architect. Elle a jamais changé, elle changera jamais. C'est la playlist Prison Architect. Comme ça. C'est une playlist cendre à la base. Pour le jeu de rôle cendre, donc vous avez, je crois, un épisode sur comme d'hab. On avait tourné un épisode comme ça pour voir un peu ce que ça donnait. On se le garde en mémoire. C'était cool. Sur la chaîne, hein. Vous avez cendre avec tous les copains, quoi. Je suis en train de dire, il m'a mis une porte là. Lol. Ouais, je suis un vieux. J'ai du mal. Et je pense qu'on est pas mal. Si en termes de pièces, cellules. Ça nous a coûté 100 000 balles. Cette connerie. Cellules. J'espère que ça les empêche pas de construire. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Maintenant, il va falloir trouver des ouvriers pour bosser dessus. Les mecs, ils ont trop de taf, ils en peuvent plus. C'est au secours, aidez-les. Ok, c'est parti. La petite porte. Le pire, c'est que je pourrais tellement augmenter le luxe si j'enlevais ces portes-là, quoi. Parce que le jeu considère pas que c'est du luxe de séparer les toilettes du reste en fait. Ce qui est bien dommage. Parce que ça y participe énormément à cette petite touch. Le lit.
lit est à côté de la fenêtre. Bien sûr, il faut respirer, évidemment. Et dame en vie. Je vous apprendrai à détester particulièrement cette expression. Chaise, oui. Le bureau lui-même. Je le vois pas. Peut-être les yeux qui collent, mais je le vois pas. Ok, tac, 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 tac. Oui, le fauteuil, évidemment. Le fauteuil. Le fauteuil. Attendez. À côté de la porte, on a d'abord une machine de muscu. Oui, non, tout au fond, c'est ça. Tout au fond, on a le fauteuil là. On a à côté la petite radio. Sauf. Non, pas la radio. Si, c'est la radio qu'on a à côté. C'est ça, c'est la radio qu'on a à côté. Radio, bande muscu. Parce qu'il faut en faire des hommes virils et musclés. Ah oui, c'est très important. Voilà. Il faut lui mettre sa petite télé. Parce que y a un respect à avoir. Hein. Les hommes riches doivent profiter. Et après, il me faut l'étagère à libre. Ah oui, c'est vrai que tu comprends pas cette lettre. Ouais, ok. Ah oui, c'est parce que c'est un E majuscule. Ouais. E majuscule qui va être impossible à faire. Enfin, ouais, faut savoir le faire. Ça, c'est chiant. C'est chiant. Et bah écoutez, on part sur une petite fouille généralisée. C'est parti. Hein. 1565 objets à fouiller. Bonne journée. Il va y avoir un peu de fouille. J'ai combien de gardiens? 50. Ouais, non, mais pas assez, hein. Moi, je propose de monter à 60 gardiens. Je pense que quand on, voilà, quand on est à 60 gardiens, on commence à avoir un niveau de confort raisonnable. On a combien de chiens? 12. Ah, 12 toutous. Ah, 12 des toutous. Concierge 18, 40 jardiniers, 50 ouvriers. Ouais, les ouvriers, voilà. Les pauvres gars, ils saturent un peu. Hein. Ils arrivent à saturation. S'ils arrivent encore. Ouais, ils arrivent à gérer. Hein. 50, ils arrivent à gérer. Ça tient. Ça tient. Pareil, 40 jardiniers, ça a l'air de tenir. Hein. Ah, je suis pas sûr. Hein. Ah, ça dessouche pas vite. Hein. Allez. Passe à 50 jardiniers, voilà, il faut bosser un peu. Pareil, je pense que dans la vie, faut pas trop être radin en sniper. On va sortir un peu de pognon, on s'en fout, on sait que l'exportation fait tout tenir. L'exportation fait tout tenir. Tout tient grâce à l'exportation. Les maîtres chiens, je pense qu'à un moment donné, dans la vie, c'est important d'abuser des maîtres chiens. À 22 mètres chien, c'est important. Je pense que c'est vraiment important. On a 90 personnels, ça commence à chiffrer quoi. Ça commence à chiffrer vénère. C'est très rigolo. Ah, ils peuvent pas faire de fouilles nocturnes. Ah, on peut rien ouvrir à cause des minuteries de ces morts. Hein. Les minuteries, c'est une horreur. Hein. C'est très très problématique les minuteries. Je sais pas si on peut construire des ponts logiques pour à un moment donné tout raccorder, je sais pas, un endroit à une console où moi je peux cliquer, je peux marquer ouvrir toutes les portes par exemple. Toutes les portes qui sont raccordées, ce qui me permettrait justement de faire. Enfin voilà, je trouve que l'automatisation, je l'ai testé et je trouve que c'est de la merde. Je suis désolé, le jeu fonctionne mieux sans en fait. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est vraiment pourri. C'est vraiment nul. Et je sais même pas si mes gardiens peuvent fouiller tout ce qu'il y a à fouiller là, en dehors des cellules. Ils peuvent rien fouiller quoi. Emballe-moi tout ça, ma gueule, hein, parce que
Ah, il faut que je tire du courant aussi là-dedans. C'est sur toi qu'il faut que je tire. Ok. Toi, t'es mon... T'es du câblage jaune. Et je peux plus tirer que sur toi, parce que les deux autres sont... Ouais, les deux autres, ça devient sensiblement dangereux. Hein. Ouais, je comprends. Eh bien, nous verrons cela. Nous verrons cela le moment venu. Plus c'est pas joli joli. Jour sans accident, on gagne que 400 balles. Alors qu'on est en 17,7 jours sans accident. D'ailleurs sans décès. 28 000 $ d'exportation. On vide nos exportations, mais tellement fort. Bon, en même temps, là, on va remplir de prisonniers. Hein. C'est normal. La dotation pour prisonniers, c'est de 150 balles. Il y a 5 mecs basse sécurité. Ça va. Faut pas déconner non plus. C'est plutôt cool. Et on est un peu au taquet. Hein. 2 se reposent. 18 sont épuisés hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que même en employé, je suis pas dingue. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'augmente encore mon nombre de gardiens. 60 gardiens là quand même. 60 gardiens, c'est quand même chaud d'augmenter encore les effectifs. Eh, parce qu'attendez, c'est tous les personnels épuisés. C'est-à-dire, là, comme on voit, c'est aussi les jardiniers. Ah, fatigué, non, les gardiens sont claqués. Allez, petite pause, les gars. Hein. Allez. Il y a du poulet partout. Chicken McNuggets. Par contre, les camions, ça défile en permanence. Hein. Ça n'arrête pas. Hein. C'est. J'aurais dû installer une voie ferrée. D'ailleurs, dommage, on peut pas. Ce serait trop bien, vous imaginez, on peut se faire passer une petite voie ferrée pour recevoir genre les prisonniers très haute sécurité, genre des mecs trop chauds, complètement ouf et tout, des grands trafiquants de drogue, des trucs comme ça. Et en même temps pour pouvoir charger encore plus de marchandises dedans. Quoi. Littéralement là je faisais passer de voie ferrée là ou sur le côté droit, je sais pas si... Ouais tu vois je pouvais acheter le côté droit, j'achète le côté droit, tac, je mets une grosse voie ferrée au milieu, plac, je reconstruis encore des arbres sur le côté avec une grosse zone d'export. Ça aurait été terrible. C'était monstrueux, monstrueux. Les mecs ils posent le bois où ils peuvent le poser, ils peuvent même plus le poser dans les zones d'export. C'est ouf. Ah mais ils ont mis du bois partout là-dessous quoi en fait. Les mecs c'est des fous quoi, il y a tellement plus de place pour du wab. La zone d'export elle est trop petite. Allez les gars, cet arbre il a tombé hein. Vous êtes pas en avance hein. T'sais, les gars ils doivent construire la prison et en même temps ils doivent abattre toutes les arbres de la région quoi. C'est... Oh là il y a du bois partout. Ils sont fous. Ils sont fous. On va voir comment ça va se passer n'empêche dans cette prison. De luxe. Bon je pense que les portes automatiques m'ont mis dedans. Porte automatique, en vrai c'est de la merde. Je trouve vraiment que c'est nul. Hein. Pareil, t'as un prisonnier, comme on voit qu'il est en retard, bah, il passe toute la nuit dehors devant sa porte. Et j'ai pas l'intention de lui ouvrir. Donc t'imagines, ça peut te causer grave des problèmes avec des prisonniers qui pètent des plombs parce qu'ils sont au bout de leur vie quoi. Genre là en vrai j'en ai un, deux, trois... J'en ai 3 qui portent dehors. 4. Ah non, ça c'est un concierge. Pareil, les concierges ils sont bloqués devant les portes. Depuis quoi. Ah, c'est déjà quasiment plein ici. Cool. Ce bazar. Ah, c'est déjà le bordel. Ça n'a pas commencé que c'est déjà le bordel. Hier, 28 000 quoi. 28 000 dollars d'export. C'est beau. Moi je dis c'est beau. Hein. On oublie trop souvent de le dire. Mais un monde qui fait autant de pognon, c'est beau. C'est thug. Et ouais. Aïe aïe aïe, malakas. Hein. Si si, les chicas, les chicos en prison. Ouais, les chicos. Ouais, les gens qui ont pas de dents. Ouais. Les sans dents. Les sans dents en prison. Ouais. Bien. Ah. Hashtag pantons gilet jaune. Mec trop horrible.
prends ton gilet jaune. On s'en fout. Ouais. Ouais, on fera ça après parce qu'ils ont l'air d'être bien débordés de boulot comme il faut. Voilà, on va les laisser galérer un petit peu là. Là ils ont l'air de transpirer un peu. Laissons-les bosser. Ils arrivent dans combien de temps nos clodos? C'est magnifique ça. On peut recevoir 75 mecs. Ouais, j'ai un doute hein. Parce qu'en fait le mec je crois qu'il nous remplit la... La cellule d'attente comme si c'était une cellule normale. Et ça me pose de gros problèmes éthico, psycho, génético, moralito, pepperoni. Prisonnier repas. Ah ouais, bah, c'est, par contre c'est rapide à nourrir. Hein. Tout le monde il est nourri, c'est beau, c'est bien. C'est beau, c'est bien, c'est magnifique. D'ailleurs, moi dans cette histoire là, il y a peut-être moyen que je prenne un peu de pognon, non? Hein? Voilà. Une table de billard, tout ça, je pense qu'on doit avoir. Hein. Oui, c'est validé. Engager un chef de la sécurité, engager des gardiens, des verrouillés, patrouille dans. Oui, bon, on prend l'argent aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que j'embauche des gardiens? Affecter 3 gardiens à des patrouilles. Ah oui, c'est les gardiens de base. Entretien de la prison. Vas-y, je prends l'argent. Le bloc de cellules. Ah, au moins 15 mecs. Non, c'est bon, ça c'est valide. Au moins 50 mecs, c'est valide. Voilà. Ça c'est valide, on est à 75 mecs. Ça fait une belle taille de prison hein. Vous en pensez quoi? Voilà. C'est petit swag. Comme on dit dans le milieu, c'est un petit swag. Il faut que j'affecte des gardiens. Ouais, bon, on peut faire ça, on peut faire ça. Ah, des patrouilles. Déploiement, s'il vous plaît. Patrouille de gardiens, oui, pas armé. Ça c'est une patrouille. Hein. 2 et 3 mecs, c'est bon? Merci. Ah, c'est la patrouille de votre vie. Allez, bonne journée. La bonne journée à vous. Ceci, on pourrait peut-être se claquer quelques maîtres chiens. Quelques maîtres chiens, puisque voilà, dans ce quartier-là, il n'y a pas de maîtres chiens qui défilent. Ce qui est un grave problème. Puisque le quartier va recevoir ses premiers tollards. Et ça, c'est beau. Et ça, la petite gueule argentée, c'est bien beau. Voilà. Ça, on a des toutous et on s'en sert, quoi. Puis en plus, c'est joli. C'est joli, non? Il y a de la couleur, tout ça, tout ça. On a reçu nos clodos, là? Elle est remplie ma prison à tout jaja, c'est bon. Remplir jusqu'à 75. Donc on a nos 75 gars. On ferme. On ferme parce que je pourrais faire de la rotation, mais je veux vider aussi un peu au cas où, bah, par exemple, j'aurais des difficultés à nourrir tout le monde. Ce genre de choses. Oula, ça commence à être plein de bois ici, donc ça veut dire que c'est plein par là, exactement. Paf. Allez, vendez-moi tout ça. Obligé de faire de la vente manuelle hein. C'est violent. T'es obligé de vendre manuellement ton bois, c'est quand même t'en débite un peu hein. C'est que tes gars sont occupés à le débiter, à le trimballer quand même. C'est ce qu'ils ont... Ils n'arrivent même plus à le charger dans les camions quoi. C'est qu'on en est là en général hein. Oh, dites-moi ça, ouais, t'as raison ouais. Lol, on chargera ça une autre fois. Très bien. 12 007. Ah, on vit bien avec, avec tout cet argent. Du coup, les dotations pour prisonniers, 750. Ah oui, parce qu'on est toujours basé sur la veille. Jour sans incident, 02. Quoi, il y a une tuile là. Il y en a un qui a fait le malin, il s'est fait taser. On sait pas. Quoi, c'est quoi le problème là? Bloqué, pas accès, raté 10 fois. Comment ça, vous avez pas accès? Si vous avez accès à cette partie-là, vous me faites quoi? De toute cette zone-là, là. C'est la même zone! Qu'est-ce que tu m'embrouilles? Ah, c'est ça, arrêtez de m'embrouiller aussi.
J'ai raté 10 fois, blaireau, va. Je bosse un peu aussi. D'ailleurs, tirons de la canalisation. Eh oui. La canalisation, c'est bon. C'est un peu de pognon d'aménager une prison, sachez-le. Ça a l'air comme ça, c'est facile et pas cher, mais... Je sais plus combien nous a coûté cette prison, mais en vrai, elle nous a dû nous coûter quasiment 3 millions de dollars. Hein. Pour même pas mettre 100 mecs dedans pour l'instant. Bon, on aura notre centaine de gars, je crois. Hein. Mais pas plus, hein. On a 100 mecs, mais pas plus, quoi. Ouais. J'aimerais bien qu'ils aillent à l'école, là, mes tolards. C'est possible? C'est possible un jour qu'ils aillent à l'école, hein. Les salles sont réservées. D'accord. On a pu rentrer un petit peu pour ça. La formation générale. Userie comportementale. Entraînement des gardiens au taser. Ah ouais, 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 commence. Hein. Ouais, ouais, faut qu'on puisse taser un peu de temps en temps quand même. Hein. Là, je claire toutes les salles. C'est bon? T'en as une qui est consacrée, une heure qui est consacrée du coup à information scolaire générale. Okay. Je me demande si en multipliant les salles de cours, je peux pas multiplier en fait les heures de cours. Mais je suis pas formel, je sais pas si ça permet de faire venir plus d'enseignants. Certaines choses comme ça que je trouve un petit peu dommage. Bon, ouais, c'est pas le drama. Hein. Par contre, on a des pelouses. J'ai tellement embauché de jardiniers. On a des pelouses. Elles sont nickel. Regardez-moi ça, c'est nickel. Par contre, on manque peut-être d'un peu de concierge. Mais étant donné qu'on a de la main-d'œuvre qui va commencer à affluer, qui bien entendu va vouloir faire du ménage plutôt que de faire de vrais métiers. Ils sont où mes tolas? Ils sont où mes tolas? Je suis censé avoir plein de tolas dans cette prison. Pourquoi? Ils sont passés où les Goliots là? Ils sont où mes Goliots? Je devais recevoir un gros lot de Goliots que j'ai pas reçu? Vous me les avez rangés où les cons là? Ils sont pas dans les cellules d'attente? Vous les avez stockés où? J'hallucine. De chiens. Plus de maîtres chiens. 30 maîtres chiens, c'est parti. Il y a de l'abus pour 5 prisonniers? Non, je trouve pas. Je trouve pas, non. Je trouve que c'est normal. C'est normal ce qui se passe. Pourquoi? Vous trouvez pas ça normal? Vous trouvez qu'il y a de l'abus? Ouais, vu l'état, on n'a pas assez de... J'ai l'impression qu'on n'a pas assez de... On a l'air d'avoir assez de ces... Ouais, sors-moi 60 mecs. Les ouvriers, il n'y en a pas assez. Sortez-moi 60 mecs aussi. On vit pour le bois, hein, donc tout pour le bois. Hein. Le bois, c'est la vie. Et la vie est du bois. Ah oui, donc en fait, non, vous avez juste décidé de pas bosser. C'est vraiment ça votre projet? Salle d'export, c'est votre salle de pause, ça se passe comment? Allez bosser. Bon, oui, c'est ça. C'est leur salle de pause, quoi. Très bien. On rentre toujours du fric. On arrive à être en positif. Hein. Je sais pas comment je fais, mais j'y arrive. J'y arrive.
Pourquoi on me remplit pas ma prison? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi le jeu est cassé? Pourquoi le jeu... le jeu il veut pas. Prochaine mission, j'aurai 25 mecs alors que j'en demande 30. Il y en a plein de disponibles. Remplir jusqu'à 75, non. Nombre par jour, 30. 30. C'est bizarre. Tous ceux qui sont disponibles. 63 000 dollars pour les prendre. On va en prendre 30. Ils nous en font combien là? Bah non, allons chercher les 70 qui nous manquent. On a 75 cellules. Allons chercher les 70 qui me manquent. Pas d'histoire. Il n'y a pas de... Voilà, pas de problème. 28 000 boules. Paf! Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un peu de tunerie ou ça fait un peu de tunasserie? C'est pareil qu'une diff. Dans les deux cas, c'est pas français. C'est le bal des jardiniers, mais c'est pas ça les jardiniers. Hein. Genre vous avez pas trop envie de nettoyer devant la prison par exemple. Ça c'est un truc qui a pas l'air de vous botter bien plus que ça, visiblement. Moi j'ai envie de mettre une tour de garde là. Non, en fait pas là. J'ai envie de la mettre là. Je trouve ça joli. Je sais pas s'il y a un tireur d'élite qui là porte les clés du personnel. Donc il peut ouvrir une porte du personnel. Ouais. Ouais. On va quand même se mettre une petite porte de prison ici. Voiture. Avec une deuxième, juste là, vois-tu. Avec. Vois-tu. As-tu vu ma belle quenouille? Voilà, un petit mur d'enceinte de ses morts. Voilà, petit truc réservé au personnel. As-tu vu comme c'est joli? N'arrive à accéder nulle part. Faut qu'ils m'expliquent comment ils font. Hein. Alors, toute cette zone-là, elle est accessible par porte du personnel, etc., etc. Ah oui, non, donc okay, il faut un gardien pour ouvrir ici. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. Ce qu'on peut faire, c'est comme pour toutes les autres portes, c'est basculer sur un système automatisé que j'ai d'ailleurs toujours pas raccordé. Hein. Vous noterez, mes poulets, j'ai rien raccordé. Hein. Mais moi je dis on y croit. On y croit à mort. Voilà, donc ça, fallait que je le raccorde à toi. Ouais, je raccorde dans les deux sens. Hein. Je sais pas si c'est nécessaire ni rien, mais... L'obscurité parfois de ce jeu me pousse à faire des choses obscures également. C'est une histoire d'ombre et de lumière, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez les gars, faut venir monter quelques trucs. Mais l'autre, pourquoi il passe en bas avec son... Regarde l'autre, il passe en bas avec son bois, là il est heureux. Cool yo man. Regarde lui aussi, il va passer en bas. Ah, je peux passer par là. Attendez, hop là, je me glisse. Je me glisse dans le mur en construction. Mais c'est des Golios. Ah non, c'est incroyable. L'IA de ces blaireaux, quoi. Par hasard, j'aurais annulé. Je vois qu'il n'y a plus le logo de ces normalement en construction.
pas le droit. C'est étrange. Nous verrons bien. Raccordons un peu d'électricité. En espérant que ça tienne. Ah oui, parce que c'est pas sûr que le générateur va tenir. Ah. Alors on a peut-être un petit problème. J'ai peut-être fait une connerie. Et en tout cas, les générateurs ont l'air de tenir. Par contre, je suis pas sûr. C'est que si je pose un petit portique. Ah si, c'est ces générateurs-là, je crois, qui bossent. Oui, c'est ce verre-là qui bosse. Parfait, mais nice. Voilà, c'est magnifique. Je veux mon portique électrique, s'il vous plaît. Détecteur de béton. C'est plus. Bon, je pense que jusqu'à que... Voilà, parce qu'on va mettre un mec en patrouille ici. Jusqu'à que... Jusqu'à que l'endroit soit autonome. Ce qui me rend fou, c'est que j'ai plein de jardiniers, il y en a aucun qui veut bosser. Ça me rend dingue. Ah ok, c'est posé dans le bon sens. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on me pose ça dans le mauvais sens. J'allais m'énerver, je fais un... Attends, le mec il va pas poser ça... il va pas me poser ce portique dans le mauvais sens quand même. Ça, personne veut venir le faire ça. Venez le faire, parce que là, c'est chiant en fait. Genre juste ça marche pas parce qu'il y a un con qui vient pas bosser quoi. C'est épuisant. J'ai l'impression que ça a bugué à cet endroit là. Ah, ça me donne vraiment l'impression que ça, genre, ça a bugué quoi. Non, c'est juste que je peux pas placer. Pourquoi je peux pas placer de. Je sais pas. Du coup, j'ai presque envie de la démonter en fait. Ouais, ou je laisse un agent en patrouille ici jusqu'à la fin de sa vie. Allez, on laisse un agent en patrouille ici jusqu'à la fin de sa vie. C'est décidé. C'est décidé. Est-ce que c'est une technique de feignant? C'est possible. Je vous cache pas que c'est possible que ça m'ait un peu gonflé. Je vois pas où les ouvriers se bloquent et que ça les empêche de bosser. Enfin, c'est... les mecs s'inventent une vie. Je pense que les mecs s'inventent une vie. C'est très important de le noter. On est à moins 22 000 de dollars. C'est très intéressant. Qu'on reçoit 70 prisonniers dans 4 heures, ça devrait changer la vie. Exportation 4 000. Ah, j'ai rien exporté hier, je m'en suis pas occupé. Du coup, voilà. Voilà, donc si on s'intéresse pas à tout vendre, attends, on a 101 arbres en réserve. Ça vous parle un peu ou pas? Mais en fait, du coup, tous les jardiniers bossent là. J'ai l'impression que plus je rajoute de monde, plus ça siphonne de monde quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Si je rajoute plus de jardiniers, ça tourne plus vite. Enfin, je comprends pas tout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin à tout ceci. Alors une bonne technique pour vendre du bois, voilà, c'est vous attendez tous les goliots à côté de la porte là. Et clac, tu cliques et hop, tu l'as. Tu restes cliqué, juste tu te balades dès que tu vois un goliot, tac tac. Dans ces deux carrés là. Ouais. J'aurais même dû les mettre à la queue les goliots. Je sais pas pourquoi vous voulez absolument les charger l'autre côté alors que vous avez une salle d'exportation plus proche. Je ne sais pas quelle est la logique de fonctionnement. Il doit y en avoir une. Sombre et obscure, je vous cache pas. C'est possible. Ok,
camion est vide, faut le remplir messieurs. Et l'autre, je sais pas pourquoi il a voulu me ramener du bois par contre de l'autre côté. Faut m'expliquer, c'est très bizarre. Vos comportements sont étranges messieurs. Non mais c'est vide hein, vous allez pouvoir charger avec des ordures. Ah cherchez pas hein. Ah des ordures j'ai dit. Les ordures. Je vais leur mettre un petit couteau. J'ai dit des ordures. Qu'est-ce que j'ai dit? Non non. Au bout de bois tu feras pas un groupe de bois là, c'est mort. Allez les ordures. Tu vendras pas un bout de bois je te dis. Pas un bout de bois tu vendras. J'ai dit quoi? Des ordures, voilà. Maintenant vous avez le droit de faire les cons si vous voulez. Ah c'est pas possible. Bon. Et qu'est-ce qu'on a un trou ici? Mais qu'est-ce qu'on a un trou ici? Sérieusement. Pourquoi faire? Est-ce que ce monde est sérieux? C'est ça la vraie question. Ah oui, les portes sont fermées. Au secours. Verrouille ouvert. Verrouille ça ouvert. Sinon ils vont jamais vouloir avancer. Voilà, verrouille ça ouvert. Ah oui, j'avais un ouvrier emprisonné. Le pauvre gars il était emprisonné depuis trop longtemps. Pourquoi il a juste une porte normale lui? J'ai raté un truc. Ah j'ai construit une porte normale au lieu de mettre une porte haute sécurité. Alors ça me fait marrer. On verra ça. Ça donc c'est verrouille ouvert. Tu verrouilles ouvert. Et vous les trouvez où vos tunnels là? Genre la map c'est un gruyère. Il y a 5 ouvriers, il y a 5 prisonniers. Ils ont réussi à transformer la map en gruyère. Vas-y je te libère Philippe. Tu peux sortir, t'as le droit. Entraînement taser 2800 boules. C'est un peu cher. T'es libre. T'es libre Jack. Il est libre Jack. Vas-y j'en ai marre d'avoir des trous partout. Faut généraliser s'il vous plaît. Moi j'ai le tir à volonté qui est activé. J'ai pas de garde armée de toute façon. Si? Non? Peut-être? Je suis pas au courant. J'ai des gardes armées moi. Ah oui j'en ai deux. Ils sont où? Sûrement déployés quelque part non? Oui effectivement, nulle part. Je sais pas où ils sont. Bah, ils doivent traîner dans un truc de sécu à tous les coups, bien sûr, mais. Ah ouais, faut fouiller la zone, les gars. Hein. C'est pas le moment de déconner. Ah ouais, par contre, je vais vous libérer quelques objets, vous allez voir, hein. ça me fait plaisir. Voilà. Même si du coup le jeu va bugger, il va dire mais il y a encore plein d'objets à fouiller. Arrête de me gonfler, voilà, ça c'est vendu, arrêtez de me saouler. Arrêtez de fouiller des bouts de bois à l'exportation quoi. Le mec il fout des bouts de bois à l'exportation. Mais est-ce que ce monde est sérieux? S'il vous plaît. Voilà. Bon courage les gars. Il n'y a que 1482 objets à fouiller. Courage, courage hein. Mais en fait ils arrivent jamais, donc le jeu est bien buggé. D'accord, ma partie est buggée, ça fait plaisir. On voit tout ce qui est disponible hein. Est-ce que c'est un truc au niveau de la logistique que j'aurais buggé par hasard? Non, non, mais je fais pas ça. C'est pas ça que je voulais faire.
Quoi, tes camions de tollard ils passent, ils m'en déposent aucun? Ah si, ça y est. Ah si, ça y est, ça dépose du tollard. Ça y est, ça monte, on a 37 sur 75, on y croit à mort, on y croit à mort. Oh, c'est métal tout ça. Ok, donc y a pas de loupiote à côté des schnaipools. Genre les schnaipools ils sont aveugles. Intéressant. Moi je propose de leur rendre la vue. Alors une chose, il me faut encore une tour de sniper par là. Pourquoi je peux pas ici? Est-ce qu'il y a des arbres? Ah c'est parce qu'il y a des arbres. Il y a un rasez-moi cette merde. Merci. Cool. Top. J'aurais même bien dit top à la vachette. Vu comment se stationnent les camions, je mettrais bien une petite tour par là. Ouais, une petite tour par là. Une petite tour ou deux, peut-être même, ça se discute, tu vois. Moi, je pense qu'avoir un bon taux d'embauche de tireur d'élite, c'est bien. Tu fais de l'embauche pour les bien-voyants. Pour les gens qui voient bien. C'est une sorte de discrimination positive. Voilà, ça n'a aucun sens. N'a aucun sens, comme d'habitude. Vous dirais-je bien gaming. Mais évidemment, j'aurais peur de vous saouler. Voilà. Ceci étant fait, allons poser une loupiote ou deux, moi. Je propose, hein. Moi, je propose. Je pense que des petites loupiotes là, comme ça. Bah, on va mettre un peu de loupiote, c'est joli la loupiote, hein. J'hésite même à faire une grosse déco bien lourde en loupiote. Genre bien surchargé, bien tu vois, guirlande de Noël, t'as vu. Aïe. Moi je pense que ça. Je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça serait vraiment très très intéressant. Bon les ouvriers vous pourriez bosser plus vite, hein. Vous êtes assez nombreux comme ça, non? Y'a personne au repos quoi, ça déborde jamais. Eh, par contre j'ai que 9 épuisés, ça va. Ça va, ça va. C'est. Alors qu'on vient de recevoir du prisonnier en vrai. Ça va. Et ok, ferme. On est à 93 sur 75 Golio. Cool. Cool. Tomber ton arbre ou faut que j'aie t'aider à le tomber? Qu'est-ce que c'est bon, arrêter la fouille, c'est trop chiant. Allez faire autre chose que joli quoi. Et très bien, donc. Ah mais il faut me virer les racines là. Ça là donc formidable. Devant moi je veux quelques jolies pavées. Paf. Deux petites loupiottes. Ça va être très joli. Très joli. Ouais j'avais donc envie de faire un petit effet guirlande de Noël. T'as vu, j'avais envie de foutre des loupiottes comme ça. En mode voilà. En mode comme ça le sniper quand il voit un mec qui a creusé un trou, je pense qu'il le voit bien. Je pense qu'il a pas de doute. Je pense que tu y vois aussi bien qu'en plein jour. On voit la prison depuis l'espace. Si t'es à l'autre bout de la voie lactée, tu la vois. Voilà. En plus, bien en lumière blanche, comme ça c'est nickel. Ça se propage bien comme il faut. Pas de soucis. Parfait. Moi, je vois pas de défaut à cette prison. Je pense qu'elle est parfaite. Il n'existe aucun doute là-dessus. Je ne doute de rien. À ce sujet tout du moins. Voilà. On a combien de tours de sniper? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a que 8 snipers.
Moi je pense qu'on part sur une base de 12 mecs. Ça nous assure un petit peu de repos, un petit temps pour se relaxer, pour la détente, la consommation de stupéfiants, ce genre de choses quoi. Vendons des items. Parce qu'on est encore en train de dégueuler de stuff, bien sûr. On a encore trop de bois. Le bois c'est un vrai problème hein, du coup. Hein. C'est financièrement c'est très intéressant. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à l'écouler. On ne l'écoule pas assez vite. Et là, ok, vous me direz, ouais, mais t'es en train de faire des travaux, c'est chiant, machin, etc. Ouais, mais même hors période de travaux, en fait, ça devient impossible d'écouler. Voilà. Là, on a déjà rebouclé sur cette musique, bon. Ok. Ok, on s'en fout, ça marche aussi. Voilà. Voilà, voilà. Gros style en tout cas. Gros style, lourd. Lourd. Beaucoup de lumière. C'est un espace lumineux, je pense que. Je pense qu'avant tout, il est nécessaire de te rappeler que la prison, c'est quand même, c'est pas le siècle des lumières, mais c'est tout comme. Je dirais que quelqu'un qui a fait histoire me dira, il n'y a absolument aucun rapport, connard. Je lui répondrai, oui, mais c'est bien. Ça ne veut rien dire ce que je dis, tout à fait, comme d'habitude. Où dirais-je mes gaming, j'ai pas peur de vous saouler. Voilà. Ce mur des cons qui n'avance pas bien vite hein, d'ailleurs hein, je m'attriste de la lenteur de construction de ce mur des cons. Je veux dire ah il est aussi long que des avocats jugés François Fillon quoi. Et Pénélope Fillon, c'est long hein. Ah si vous pouvez me construire ça aussi vite que des avocats jugent des gilets jaunes, ça me va hein. Pas de problème hein. Ok, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac. Voilà. Ah, c'est la passion, hein, faire des prisons. Hein. C'est incroyable. Hein. D'ailleurs, faut que vous arrêtiez de regarder mes vidéos. Hein. Je voulais regarder vraiment trop, quoi. C'est pas normal. Hein. Je vois qu'il y a encore des gens qui essayent de s'abonner. Hein. Faut vraiment arrêter ce genre de conneries. Hein. Arrêtez ça. Hein. Ça n'a pas grand intérêt. Surtout qu'il y a beaucoup moins de contenu qu'avant, en plus. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Et là... J'aurai une nouvelle pour les gens qui s'accrochent à la vie. J'aurai une nouvelle pour vous courant cette année. Fin de cette année peut-être. Faut que je vois. Enfin c'est pas moi qui vois d'ailleurs. Ça dépend encore un peu de moi, mais plus trop. Ça dépend plus trop de moi. Ah merde, je le veux là. Merci. Voilà. J'ai l'impression qu'on joue toujours sur la même musique, ceci dit. Hein. Pas que ça me dérange énormément, mais. Quoi? Oui, bah c'est fermé, passez ailleurs, bande de blaireaux là. Eh, ben t'es devant ma porte! De con. Surtout que je peux pas dire de pas nettoyer cette zone. Je crois que s'il y a ça, hein. Je sais plus c'est où. De votre prison à partir des quêtes des articles de commandement pourrait être volé. D'accord. Ok. Ouais, donc on va quand même sur du vol d'outils hein, sur la base. Ok.
Je peux rien faire pour vous les petits pères. Pièce. Isolement. Ah non mais ça abuse quoi, les jardiniers ils attendent, regardez, ils sont tous collés devant les cellules comme des cochons. Ah oui non c'est vrai que ça ça peut pas être des cellules. Désolé, j'avais oublié ça. Oublié ce détail. Ah oui, du coup comme ça a ouvert toutes les cellules. Oh mais je suis un génie. J'ai toujours su que j'étais qu'un génie. C'est pour ça que finalement, même la cellule qui est invalide, je vais quand même en faire une cellule. Comme ça. C'est comme ça, ça va l'ouvrir. Regardez ça. Paf, du génie ou du génie? Ok. Voilà, ça c'est beau ça. C'est ça qu'ils veulent les jeunes. Ils veulent des cellules bien faites. Ouais, enfin peut-être pas là tout de suite. Ok, en tout cas ce qui est sûr c'est que sur toute la pavé du haut là, on peut y aller. Je crois qu'on est parti sur du gravier, hein. Ça fait en mappa, hein. Ça ressemble à du gravias. Hein. Je suis parti sur du gravias, hein. Yes, c'est du gravias. C'est du graviacci. Tac, voilà, très joli. Donc du coup, vous, vous êtes bugué, donc du coup ça veut pas s'ouvrir. Toi, tu veux, porte ouverte, vas-y. Je sais pas pourquoi t'es fermé. Je sais pas, on comprend pas. La porte qui a décidé de bugger, bah, ouverte s'il te plaît. Ouverte aussi. Ah. Ah voilà, on anime un peu notre mur des cons. Pourquoi tu fais des tours de piste? T'as décidé de la mettre le plus loin possible de toute forme de civilisation. C'est incroyable. C'est magnifique. Moi, j'adore. C'est un peu comme Dior, tu vois, j'adore. Eh, on a encore un trou en parlant. J'adorerais par contre que mes gadjals, là, ils se grouillent les miches de me... de me terminer toutes ces constructions, mais ça a pas l'air d'être ça. Ça a pas l'air d'être ça. Donc je pense qu'on va en profiter, poser quelques portes d'isolement. Et je pense qu'après ça, je pense qu'il serait quand même décent de ma part que je vous foute la paix avec mon jeu de merde. Voilà. Et, que je parte sur un bon vieux Call of Duty, Lego Legend, enfin, League of Legends quoi. Voilà, des vrais jeux quoi. Un Call of Star FIFA, évidemment. Une dédicace à un vieux monsieur barbu. Évidemment. Tac, 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 tac. Paf. C'est un peu cher de fabriquer un mur des cons en vrai. Hein. En fait, tout est dans la porte quoi. Tout est vraiment dans la porte, hein. Genre faire le sol ça coûte rien, faire les deux murs ça coûte rien. Pas le souci, hein, c'est vraiment tout est dans la porte. Ah j'ai décelé une petite amélioration du jeu aussi là. Quand je regardais, quand j'ai posé ma porte sur le mur, ça nous a facturé 500 balles. Évidemment je l'ai annulé, on m'a pas remboursé 500 balles. Par contre quand j'ai posé celle-là, on m'a pas déduit 500 balles. Donc le jeu est enfin intelligent là-dessus, ça fait plaisir. Puisque je vous rappelle qu'il y a encore pas si longtemps que ça, si vous prenez les épisodes précédents de cette prison, le début de cette prison, ceux qui ont permis d'agglutiner le pognon pour fabriquer cette prison de haut standing qui va finalement jarter, hein, parce qu'on va pas se mentir, elle va virer par-dessus bord. D'ailleurs que le problème majeur de cette prison, alors je m'éparpille, mais le problème majeur de cette prison c'est qu'elle a été automatisée et qu'on vient de découvrir que l'automatisation c'était de la merde, voilà. Parce qu'à un moment donné il faut dire ce qu'il y a. J'aime beaucoup le jeu, mais l'automatisation c'est de la merde. Voilà. Donc, ça c'est bon, ça c'est fait. Et donc, vous verrez que dans les épisodes précédents, en fait, on n'était pas. C'est vraiment récent. C'est comme le roll call, quoi. C'est suivant. C'est récent. C'est pas suivant, c'est récent. J'ai la pâteuse, moi, j'ai soif, non? Ouais, c'est ça. Ah bah, santé. Ah. J'avais compris pourquoi c'était utile de trinquer la santé des autres. Comme si on avait quelque chose à foutre des autres.
Ah. Verrou ouvert, s'il te plaît. Ok, très bien. Nice. 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 Et ici. Normalement, tout est bon après, je crois. Oui. Parfait. Parfait. On va croire que dans cette liste de musique, il y a 5 musiques, on va finir par y croire. Hein. Il y en a beaucoup plus, hein. Il y en a plus. Bon, il y en a pas énormément non plus, mais enfin, il y en a bien 20 ou 30, je crois. Un truc comme ça, facile. 30 peut-être même. Allez, c'est en train de rebourrer du bois comme Jaja. Tout, videz-moi tout ça là. J'avais cru qu'ils avaient posé un bureau dedans, mais genre j'ai posé un bureau quoi, genre j'ai con. Genre c'est moi qui ai posé un bureau quoi, je fais quoi, j'ai vraiment posé un bureau au milieu d'un espace de livraison comme un gros con. Non, tout va bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai autant de jardiniers pour pas faire leur travail? Pas sûr que les jardiniers ils fassent leur taf en fait. Ah, on a fait du bénéfice hier. Eh, la dotation prisonnier qui a enfin déplacé l'exportation. Ça, ça fait plaisir en vrai. Ça fait très très beaucoup plaisir. Bon, on y croit moyen, mais beaucoup beaucoup plaisir. Toutes les pièces sont réservées. Oui et non. Oui, on va voir d'ailleurs ce qu'on peut mettre en place en termes de programme. Sécurité atelier, à première vue, il y a de la place, on peut... ok, c'est bon. Pas plus loin. Ok, pourquoi tout est... C'est quoi ces conneries? Et j'ai deux salles de cours. Oh, mais vous êtes vraiment sérieux? Ouais, bref. La session anti-alcoolique. De session quand même. Les gardiens, 47 en attente, réussite 13, 65%. On va peut-être coller 2 heures. Audience de conditionnel. On va bourrer. Hein. Ça, mes petites gueules, on va bourrer parce que plus vite, voilà, plus vite ça dégage, plus vite je peux prendre d'autres mecs. Ce qui est pas un mauvais deal, vous comprendrez. Hygiène culinaire. Les gens ils veulent une formation à l'hygiène culinaire. Bah c'est parfait. Fabriquons des tas de cuisiniers. Moi ça me va. Voilà. Les cuistots du placard. Donc personne n'est intéressé par la menuiserie hein. C'est officiel hein. Je vais galérer comme un rat crevé à faire de la menuiserie. Je vais encore devoir les empêcher de faire autre truc quoi. Formation scolaire générale, ouais, j'en ai qu'un. Ouais, ouais, ouais. Thérapie comportementale, appel acte de condamnation à mort, 0, c'est bon. Non, non, on est bien là. Là, on va avoir de quoi les occuper un peu. On est dans une journée, dans un monde de travail. Oui, c'est ça. Oh, la buanderie. Ah, et la salle de nettoyage qui sont plein craqués, les mecs, ils veulent faire que ça. Magasin, bibliothèque, cuisine, atelier, personne. Personne veut aller à l'atelier, mais genre, mais. Personne quoi, c'est hors de question. Après voilà, je me plains pas. Hein ça? Elle est où mon émeute? Stop. Elle est là mon émeute. Ok. Non mais moi si les mecs ils veulent le prendre comme ça. Non, sortez pas le gros son, ça sert à rien. Hein. Oh,
non, calme-toi le jeu. Hein. Allez. Ah, ça lâchait des flûtes, des saperlipopettes. Pourquoi vous barrez les mecs? Ouais, vas-y, ramenez-la. Hein. Voilà, d'autres questions? D'autres questions? Ok, encore? Encore? On m'avait dit qu'il y avait une émeute. Bizarre, il n'y a plus d'émeute. Je comprends pas. Je suis pas bien compris. J'ai pas bien pigé l'intérêt. Donc visiblement... Ah, 8. Il y en a encore ? Redéployons nos effectifs, voulez-vous? Donc il est nécessaire, je vois, d'ramollir un peu toute cette racaillerie là. Ces trois là ils peuvent sauter. Ces trois là aussi. Allez, Space Marine s'en avance, comme on dit, dans le milieu. Bloop. Ah, là c'est un peu grand ici. Hein. Voilà. Et 4 marines, ça. Je pense. Voilà, ça va commencer à un peu. Assouplir l'ambiance. Après, on a beaucoup de marines, hein, donc j'appelle ça des Space Marines. Ils sont blindés, ils sont hostiles. Je leur demande de tirer dans le tas, ils tirent dans le tas avec grand plaisir. Ça partage quoi. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on en a occupé 8. Ah, on en a un ici. Ok, well. Ah, je l'ai vu au fond de la pièce, quoi. Ah oui, j'avais mis 2 gardes pour ça, ouais. Ok, exact. Donc on a 9 mecs occupés sur 12, je crois. 9 gars occupés sur 12, ça devrait bien se passer. Leur problème à eux encore. Ouais, tu leur apprends des tas de trucs. Pourquoi ils sont claqués? Ah bah ouais, mais parce qu'ils ont encore passé leur soirée dehors. Mais c'est encore ça. Ah ouais. Mais bon, qu'est-ce que je vous dis, les mecs? Vous êtes occupés le soir à faire les cons. C'est mon problème ou pas? Vous avez du temps libre, arrêtez de faire chier là. Sont les basses sécurités? Vous allez avoir du temps libre dans une heure. Vous irez dormir, arrêtez de m'emmerder. Faut arrêter, vraiment, c'est important. Moi je pense que c'est important d'arrêter de faire les cons. Voilà. Voilà. Alors, on va avoir plus de place hein, parce qu'on a encore 134 mecs. Hein. D'ailleurs, je sais pas d'où ils sortent. Est-ce que c'est à force de demander des prisonniers, on s'est dit, ouais, vas-y, on lui envoie tout. On lui envoie tout d'une traite. Ils ont tout annulé, mais ils ont tout envoyé quand même. Paf. Voilà, j'ai une prison qui vaut une fortune. Subvention initiale, moins 50 000. Ah oui, je perds sur ma... Faut faire le programme. Faut prendre la sub. Faut prendre de la sub, il faut prendre de l'invention, il faut prendre de la subvention. Bravo, tout à fait. Niveau de sécurité, 2 mètres chien à une patrouille, 2 gardes armés à une patrouille. J'ai le niveau de sécurité gouvernemental évidemment. Augmenter l'efficacité, déverrouiller gilet tactique dans administration, déverrouiller taser dans administration, construire un moniteur de télésurveillance, mais c'est des caméras. Si on se rend dans une prison, on prend l'argent, monsieur. Ouais, ça a été validé instant, hein. On ne demande pas de reprendre des gardiens. Parfait. Intégration et engagement. C'est quoi ça? C'est chelou ça. Faut faire quoi? Attendez, affecter 3 prisonniers à une buanderie, cuisine, salle de nettoyage. Valide. C'est validé. Ah, il y a des petits problèmes visiblement ici là.
un petit début d'émeute là. Ah, ça tourne bien. Non, mais ça me fait plaisir, moi. Moi, ça me plaît, moi. Ça me plaît beaucoup. Oh, arrêtez de me faire genre CD. Ouais, ça me gave le jeu qui va essayer de me faire croire que je peux prendre des émeutes, quoi. S'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, merci. Ce qui paraît, j'ai une émeute. Attention, hein, j'ai du personnel médical qui a du boulot là, visiblement. Va falloir bosser pour une fois, hein, mes poulets. Hein. Et je vous conseille de vous brouiller parce que je déteste perdre des flics. Je déteste perdre du personnel bien qualifié. Moi j'aime bien ce petit bruit de massacre quand même. Voilà, c'est beau ça. C'est ça qu'on aime. Tiens-moi encore un Goliot là. Il y a du Goliot qui se la ramène là. Allez, il n'y a pas un Goliot qui est chaud là. Et trouvez-moi la couenne de ces fils de ces morts là. Moi je vous dis, il n'y a plus de respect de nos gens. Plus de respect. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais me construire une petite porte ici. Regardez-moi pourtant ces jolies bibliothèques. Vous avez vu comment? Ils ont tout. Ils ont tout pour eux. Ah non, mais il faut qu'elle soit là la porte, sinon je dis de la merde. Finalement, faut qu'elle soit ici. Ils ont tout pour eux. Et ils sont là, ils emmerdent le monde. Ils ont une prison de luxe. Je comprends même pas ce qui leur va pas. Ils sont jamais contents. Ouais, je pense que le seul moyen de les satisfaire, c'est de vraiment tous les tuer. Hein. Là, tu t'offres du bonheur, là. Ah, j'ai plus assez de gardiens. Ah là, ça y est, j'ai plus de garde armée maintenant. Comment je fais? Je suis obligé de recruter plus de monde. Ok, ça marche, moi. Y a pas de problème. Hein. Moi, je vais ici, là. Regardez, c'est prévu. Vous voyez comment c'est prévu? Je sais pas si vous le visualisez. Là, il y a écrit, au beau milieu... C'est prévu. Moi, plus de gardes armés, ça me dérange pas. Hein. Ça fait plus de gardiens, plus d'emplois. Moi, je suis pour l'emploi. Hein. Je défends l'emploi. Bon, par contre, pour avoir d'emploi avec moi, faut être prêt à descendre des gens, mais... Voilà, dites-vous qu'ils sont pas comme tout le monde, quoi. Genre, regardez, alors, lui, il est en gris, lui, il est en orange. Ils sont pas comme tout le monde. Ils sont bizarres. Voilà. Ils sont orange mais ils sont pas roux. Tu vois. Ils sont gris mais c'est pas Michael Jackson. Ils sont bizarres. T'as le droit de tirer dessus. C'est autorisé. Par la loi. Pas de problème. Donc plus de gardiens armés on a dit. Hein. On est qu'à 17. Ah. Bon déjà je vais payer mon 17ème gars. Y'a pas de raison. Voilà. Ben voilà. À 25. Regardez. Là, ça fait plaisir. Ça monte. Ça, ça qu'on aime. Voilà. 26 mecs. Voilà. On va monter à la trentaine de gars. Voilà. À 29. Voilà. On est bien. À 29 mecs, on discute, je pense. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut ouvrir un dialogue, voilà. Avec le. Avec les gens qui sont un peu hostiles. D'ailleurs, je vais tout de suite poser mon dernier casier pour avoir mes 30 mecs. Qui est donc là. C'est-à-dire qu'en fait, faut faire le tour. Tac, 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 tac. Comme ça, vers la table. Tac, tac, tac. Bon, en vrai, dans le jeu, ils s'en battent les couilles, les mecs. Hein. Ils passent, ils s'en foutent. Voilà. Ah ou alors 31, je me rajoute un gars là. Je me rajoute un gars ici là. Un gars sûr, tu vois. Oh putain, ce mec est tellement sûr chez le mélan. Allez, c'est le gars sûr ici. C'est le gars sûr. C'est le gars sûr. Obligé. J'étais obligé de le mettre. Donc c'est cool. Voilà, on tue des gens, ça c'est formidable. Moi j'adore. Il reste encore trop de gens, je crois. Hein. 132 sur 75. Il y a encore beaucoup trop de population. Je comprends pas. Pas du tout. On est bien d'accord que l'admission elle est fermée. Hein. Non. Ferme. Deux personnes, ça suffit. Arrêtez tout. Non, je ne veux pas déplacer ça. Je veux juste qu'on ferme. Voilà, très bien. Voilà, on aurait un peu d'action, on a eu quelques meurtres, combien de décès on peut avoir notre total décès là, estimation sur les décès, non. Faites pas. Décès 450 000.
Je crois qu'on a tué un peu de monde. Là, ils ont caché le chiffre, ils ont eu honte là. Vous voyez, c'est caché derrière le 24. Ils ont eu un peu honte, ils ont fait non, on va pas donner de chiffre. Ouais, on perd 500 000, c'est pas grave. Mais vous verrez pas le chiffre. Vous nous enlevez, c'est pas grave. 1 million, c'est pas grave, non plus. On préfère quand même que vous voyez pas le chiffre. Y a aucun problème, on le vit bien. Capacité de production, produire des plaques d'immatriculation. Ça peut être très intéressant. L'étude alimentaire, peut-être pas tout de suite. Trouver 10 stupéfiants illégaux. On va aller se chercher. Ça a été validé tout de suite. Ah! Quelle heure est-il? 19h. On a le temps pour une petite fouille générale. Allez! Fouillez-moi tout ça. Confinez-moi tous ces sacs à merde là. Confinement pour tout le monde. Rentrez chez vos mères. Non, c'est verrouillage, rien. C'est toutes les portes de la prison. Oh, ce serait le bordel ça. Oh, je fais ça. Oh, ok, d'accord. Non, c'est chiant. Bon, je vous confine pas. Je suis cool parce qu'en fait, sinon c'est chiant. Mais c'est chiant pour moi, pas pour vous. Ah, il y a du sang, c'est bien. Il y a des gens qui sont morts. Ah, c'est formidable. Ça, c'est génial. Ça, c'est beau. C'est ça qu'on aime. On veut des gens qui meurent, nous. Voilà. On veut du sang et des larmes. C'est ça qui vend, quoi. Hein. Du cul, ouais, mais en prison, c'est chiant. Pour Noguet, c'est sympa, mais 5 minutes, quoi. Après, t'as que ça, c'est chiant, quoi. T'as toujours le même scénario, quoi. Surtout, c'est ça qui est fatigant. Alors que dans le sang et les larmes, tu peux quand même varier pas mal les plaisirs. Y a moyen de faire des scénarios différents, avec une structure qui évolue en plus. Un décor qui est évolutif, c'est tout. C'est quand même bien. Hein. Des tronches qui changent régulièrement, du coup. Parce que tout le monde meurt. Bah oui, intéressant. Du coup, t'as de nouveaux acteurs régulièrement. C'est très sympa, moi, je trouve. Hein. Voilà, paf, 10 décès, allez. Zblu. Comme j'aime dire dans le milieu, zblu. Voilà. Il est où le dernier Goliot qui s'est fait descendre? Attends, on zoome un peu. Il est où le dernier Goliot? Ché! Alors? T'es en train de creuser des tunnels, ma gueule? Va falloir que je change aussi légèrement le règlement là. Parce que là on est en verrouillage, non on passe en isolement. Hein. Voilà, hein. La prison parfaite bien sûr, c'est une prison, aucun changement. Meurtre, aucun changement. Pour l'instant puisque je peux pas me permettre d'avoir des gens en catégorie supérieure. Déjà c'est assuré, c'est de l'isolement, voilà, on part sur une base de... Est-ce qu'on peut pas directement... ça par contre c'est vraiment chiant, j'aimerais directement modifier les chiffres. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut faire régulièrement quand par exemple vous faites une fouille, voilà. Vous faites comme moi, vous prenez un truc qui est genre grappe, par exemple je vais prendre le meurtre, voilà. Je vais rester cliqué comme ça jusqu'à que la fouille se termine. C'est extrêmement passionnant en vrai, hein. Beaucoup plus qu'on y pense. On se dit, on revoit le temps qui monte. Une heure pour un objet fouillé. On se dit, ça peut... Ah, le mec peut finir avec 1000 heures d'isolement. Hein. Plus jamais il voit la lumière du jour. Il sort de là. Il a moins 100% de chance de récidive. Voilà. Le gars est à anéantir. Hein. Est-ce qu'on se dit qu'à partir de 120 heures, ça commence à faire un certain temps? Voilà, 124 heures quand même. Parce qu'à un moment donné, il y a un respect. Destruction, ouais, on part sur un petit 30 heures, je pense. Petit 30 heures, c'est bien. Hein. Une tentative d'évasion. Voilà. On va rester cliqué longtemps. Hein. Ah, ça va être long. Hein. Moi, je pense que 72 heures. Pour une tentative d'évasion, en vrai, il n'y a pas d'abus. Il n'y a pas d'abus. Fait 3 jours de trou. C'est raisonnable en vrai. Voilà, on est parti sur un 60. Ouais, on pouvait aussi, hein. C'était pas... Moi, j'ai rien contre, hein. Attaque d'un détenu. Alors, on s'en fout, ça c'est gratuit. Ah mais si, ça c'est gratuit. Entretuez-vous, on s'en fout. Mais alors, complètement. On s'en bat les miches. Vraiment. Genre rien. Il n'y a aucune sanction pour l'attaque d'un détenu.
Ça c'est important. Inflexion de blessure grave. Non, y'a rien. On s'en fout. T'es ivre ou t'es défoncé? Ah. Ouais, non, 2 heures c'est bien. Oh, quand même, parce que bon, à un moment donné, ça va se voir. Ah ouais, alors ça aussi, ça c'est chiant, ça. Faut tout fouiller, les gars. Ça c'est. Voilà, tentative d'évasion, faut tout fouiller. Ah non, 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 on fouille tout, hein. Ouais, on est obligé, hein. Meurtre, on fouille, c'est isolement. 124 heures, je trouve que ça fait vraiment pas assez, 124 heures. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait à peine 5-6 jours, quoi. C'est nul. Le mec fait même pas une semaine de trou pour avoir tué un gardien. Enfin, c'est meurtre, parce que ça peut être de n'importe qui, mais... moi, je pars du principe que surtout, c'est un gardien. Ça serait on aurait la différence entre tuer un prisonnier... Bon, là, le mec risque rien. Une 30 minutes de verrouillage, quoi, histoire qu'il se calme quand même un peu et qu'il se mette pas à tuer tout le monde non plus. Parce qu'après, on perd de l'argent, quand même. On perd quand même beaucoup d'argent, donc bon... Mais on offrait 30 minutes, ça le calme. Sinon, on pourrait partir sur un petit 240 heures, là. 10 jours tout rond. Là, je pense que... On a des éléments de... Putain, il y a des mecs qui ont des clés de prison à tout bout de champ, quoi. Regardez, il y a 6 clés de prison qui ont été trouvées, là. Ah oui, ils les ont piquées sur les sur Mega Joe. C'est vrai. Pendant la mutinerie. Voilà, 240 heures. Possession d'armes. Ça, c'est le mal aussi. Hein. Ça, c'est pas bien. Hein. Ça, c'est 48 ans. Parce que qui dit arme, dit mes gardiens peuvent se faire tirer dessus. Donc ça c'est 48 de trou. Destruction sera 36 heures quand même, ça fait perdre de l'argent, j'y pense quand même. Et on aime le pognon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur met beaucoup d'heures. Hein, parce que attendez, faut pas se tromper. Hein. On leur met pas beaucoup d'heures pour qu'ils puissent se calmer. C'est que durant tout ce temps là, durant ces 48 heures de trou, le mec ne peut plus faire de conneries. Donc... C'est du temps pendant lequel moi je peux peut-être éviter d'avoir des malus de pognon parce que des gens sont morts par accident. Bon voilà quoi, vol de médicaments, bah c'est un vol. En fait tout ce qui est vol voilà, d'outils, médicaments, c'est un vol. C'est pas le plus emmerdant, je prendrai quand même 6 heures pour le principe. Mais voilà, on s'en fout. Possession de biens de valeur. Alors là on parle d'argent par exemple. Donc c'est pas trop grave en vrai. Mais c'est 12 heures. C'est 12 heures parce que tu t'attaques à mon pognon. Et j'aime pas qu'on s'attaque à mon pognon, évidemment. Voilà. Donc, pas trop de conneries. Ivre ou défoncé, ouais 2 heures. Ouais, non, ça serait bien 6 aussi en vrai. Tant que le mec dégivre un peu quand même. Voilà, vol d'outils médicaments. En vrai, tout ça, on pourrait le passer à 12. Hein. Ouais. Un bon 12, ouais, sans problème. Ça me part sur une petite base de 12. Attaque du per... Ah non, mais ça, attaque du personnel, attendez. Alors, attaque du personnel, c'est un peu comme un meurtre. Mais c'est 5 jours. C'est que 5 jours. C'est que 5 jours, c'est rapide. Ça va, ça dure pas trop longtemps. Voilà. Moi je veux voir le mec qui t'incrimine, tu tombes. Ce qui serait beau surtout c'est que tu tombes pour possession d'armes. Tu prends 2 jours de trou. D'ailleurs la possession d'armes est en dessous de la tentative d'évasion. C'est un peu tristou. Moi ça m'attriste un peu. Ça m'attriste un peu. Mais bon. Possession d'armes ça veut pas dire que tu t'en es servi. Mais bon ça veut dire que t'as l'intention de t'en servir. Ou c'est pour te défendre. C'est un... y a une ambiguïté. Mais voilà, tu tombes pour... Moi je le dis, hein. Tu tombes pour possession d'armes, attaque du personnel et meurtre sur un membre du personnel. Tu fais 17 jours de... 17 jours sans voir la lumière. Voilà. La seule chose que tu vois, c'est ton plateau de gruot qui t'arrive par le trou de la serrure. Tranquille. Voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'après cette prison de luxe qui est un peu un échec puisqu'on ramasse que des goliots un peu, on se contentera à une vraie prison hardcore où les prisonniers ne sont jamais en contact avec, avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un du personnel en fait, jamais. Je pense qu'une petite prison fermée aussi ça peut être stylé.
particulièrement pour les très hautes sécurités. C'est-à-dire que là, on va faire un quartier haute sécurité en dessous. Donc je vous rassure, on changera pas de prison, je vais juste construire une prison en dessous de celle-là, en agrandissant mon terrain. Et je ferai une prison très haute sécurité, je pense, où vraiment les mecs confinés à l'extrême, quoi. On parle de l'extrême confinement. Putain, j'ai plein de mecs qui bossent pas, c'est rigolo. Niveau fatigue, tout ça. 22 employés sont fatigués, 4 se reposent, ça va. Ça se gère. Voilà. Paf, je tire un peu de gazon ici, tiens, par exemple. Voilà, très joli ce gazon. Très prometteur. Hein. Oh là là, le beau gazon. Hein. Attention, attention. Hein. Voilà. Ça, c'est beau. C'est ça qu'on aime. Ah, très joli. Voilà. Voilà, moi quand je tombe sur des lascars quelque part, voilà, je tiens un peu de gazon, ça me détend. Il faut le dire. Ah, puis en plus, ce qui est chiant avec, avec ce type de prison, c'est que bon, hein, il faut énormément de personnel, genre énormément, pour checker les caméras et tout. C'est un vrai problème. L'autre problème, c'est que les mecs, de toute façon, ouvrent les portes n'importe comment pour n'importe quelle raison. Ah, c'est vraiment un problème aussi. Alors, attendez, pause. Faut que je fasse des portes de cellules, visiblement. Sinon, sinon j'ai perdu une partie du personnel. Je crois que j'ai le reste du gravier à mettre aussi. Ces murs de con de la qualité. Paf, pièce, isolement. On commence à avoir un peu d'isolement, on va pas se mentir. 156. On a plus de cellules d'isolement que toute autre chose. Ah, on n'a pas fait ce don ou non plus. Pièce, cellule d'isolement, on est à 207. Hein. Moi, je, là, si je vous vends pas du H, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est pas. Je ne peux pas comprendre vos besoins. Tout est là hein, pourtant. Voilà, regardez ça, c'est pas beau. C'est pas magnifique. Plus de 200 cellules. Plus de 200 cellules d'isolement. Là, si j'étais un gros enfoiré capitaliste et pas un brave homme finalement. Qui subit. Qui, quelque part, qui subit en fait les bugs du système. Et qui ne peut, qui se retrouve avec un surplus de crétins. Mais voilà, moi je suis un brave homme avant toute chose. Et je pense que je donne l'opportunité à chacun de choisir soit de vivre dans une belle cellule pendant très longtemps. Avec franchement, après tout, un programme assez cool. Hein, le programme est assez cool. Ou alors de finir au mur des cons pour... pour toute la durée de sa présette, pour tout le temps qu'il va faire ici. Voilà. Moi j'aimerais bien quand même. Le problème c'est qu'on peut pas rentrer des vrais chiffres ou même mettre quelqu'un à l'isolement à perpétuité jusqu'à que mort s'en suive. Tu vois, le mec se suicide dans sa cellule. Ça c'est un peu dommage. Moi j'aurais bien aimé mettre des 2400 heures quoi. Ou si on m'avait proposé un jour 2400 jours, je m'en fous quoi. Même si le plafond c'était 999, voilà, j'aurais mis 999 jours. Le mec passe le restant de sa vie là-dedans. Plus jamais il ne sort. Quand il sort, le gars a purgé sa peine depuis 20 ans. Le mec était condamné à perpétuité quand il sort de là. Ça fait 20 ans en fait qu'il aurait dû sortir. Alors qu'il est condamné à perpète, tu vois. Ça a plus de sens quoi. Ça a plus de sens. Très important. Voilà. Ah, j'ai mal placé ma porte. Oh, j'ai commis une erreur. Démontez-la.
De toute façon, c'est pas plus mal parce que j'avais oublié un truc ou deux. Ouais, ça c'est la porte de contrôle à distance. Qu'est-ce que j'ai... Où est-ce que j'ai merdé? Qui font les fatigués. Je suis fatigué. Arrête d'être fatigué là, roule. Putain, les souris sont trop nombreux, ils sont tout le temps fatigués quoi. J'ai pas l'impression d'avoir réduit les effectifs de Métolar plus que ça. Encore 129, j'en ai encore beaucoup trop. Bon, ils sont beaucoup plus sages étonnamment. Ah, tu vas t'enfermer dedans, c'est ça? Ah non, c'est pas enfermé dedans comme un peu. Ça va. Ça va. On le vit bien. Voilà. Ok, hop. Attends, on l'aura même pas fini. Ça fait je sais même pas combien de temps que je tourne. On aura entamé ce quartier quasiment au début de vidéo, sachant qu'il y a déjà toute la partie haute du quartier qui a été construite en off. Et on l'a toujours pas fini à la fin de cette vidéo. Ouais. C'est un peu longuaire la construction. Je pense qu'en vrai on pourrait presque passer à 100 ouvriers qu'on verrait pas. On verrait pas trop de mecs qui se glandent hein. Parce qu'en plus je vois mes ouvriers, ils sont quand même pas mal fatigués. Et je pense que dans les employés fatigués c'est surtout eux. Vous savez quoi, on va checker les employés, voir un peu qui est dans le mal, qu'est-ce qui tourne pas rond, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui pied, qu'est-ce qui cloche pied. Lol, méga lol. Bref. Paf, personnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fatigués. Du fatigué un petit peu par là, mais surtout du blessé, du inconscient, du ça a mal tourné à cause évidemment des émeutes. Hein, causé des gros problèmes. Beaucoup de blessés, beaucoup de mecs amochés. Bien sûr, beaucoup de patrouilles. Mais l'autre, c'est 13 fatigués sur 24 employés. Donc, ouais, c'est la moitié, c'est des ouvriers quoi. La moitié c'est les ouvriers, on a un peu de cuisinier qui est claqué, on sait pas trop pourquoi. Beaucoup, bah voilà, bah, beaucoup de jardiniers, beaucoup d'ouvriers. Voilà. Est-ce que ça a réellement étonné quelqu'un? Regardez là, ça pousse plus vite que... Allez, c'est parti. On va sortir 80 mecs, hein. On a plus le temps, on va sortir 80 mecs. On va en sortir 100, allez, on a plus rien à foutre. J'en sors 100 mecs, on fout. Voilà. 100 mecs, et jardinier, tu m'en mets 10 de plus au moins là. Voilà. Pour compenser tout ça, je vais tout de suite faire mon beurre. Tac, 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 tac. En vendant manuellement tout mon bois. Alors accorder un petit temps de pause. Les cuisiniers ils sont claqués, je sais pas trop pourquoi. En vrai, j'avoue, ils sont quand même pas mal nombreux. Ah non, ils sont pas si nombreux que ceux, parce qu'ils sont pas si nombreux que ceux. Hein, que ceux, bien sûr, puisqu'on a deux cantines du personnel et on a deux cantines. Ils sont combien de cuisiniers là? 4 can... Ouais, ils sont 4 par cantoche. Non, 4 x 4, 16, même pas, ils sont 3 par cantine. Ouais, vas-y, on va les passer à 16. Là, ils sont 4 par cantine, là ça devrait aller. Là ça devrait rouler. Bon, par contre, on est dans le rouge absolu. Hein. Salaire des ouvriers, des gardiens, 25 000 $ de gardiens. LOL! C'est-à-dire que les exportations ne servaient plus à payer les... Bon, ça paye largement les ouvriers, hein. Le personnel en général, mais... ça paye pas... Nourriture de l'ouvrier dans le programme de réhabilitation.
Ça paye pas par contre les... les gardiens. Allez, courage les gardiens, faut zooker hein. Putain, vous vous rendez compte, avec tous les gardiens qu'on a, on n'arrive pas à finir cette fouille quoi. Tellement ils sont débordés de boulot. Ou blessés, au choix. Bizarre, mais les gens sont sages ici. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Pourquoi êtes-vous si sage? Il est du sage, hein. Désordre violent, hein. T'as pris 4 ans pour ça. Attaque du personnel, ah oui. Ouais, ton évaluation 38%, oulalalala. Par contre, la répression, du coup, on est pas mal. En répression, du coup, on est pas mal. Ouais, purger 2 ans, un seul point. 10 points pour 51% de son temps passé en cellule et 54% de son temps ématé. temps réhabilitation, on prend des points de pénalité. Et en temps... son temps en temps libre. Ah! Ah oui, parce que oui, plus tu fais le choix de la réhabilitation, plus tu prends des points négatifs là-dessus. Et là-dessus, en réhabilitation... Ah ouais, mais on reprend des points là, en fait. Donc c'est tout aussi bien, quoi. Facile, intermédiaire, approfondi. Sécurité, 50% de son temps en cellule, 53% de son temps sous la surveillance d'un gardien armé ou maté. Ah ouais. Il a passé 103% de son temps oppressé. Il est à 103% d'oppression. C'est beau. Santé moins 5. Oh, ça va. Avec des blessures non traitées. 80% de ton temps. Mais arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Il y en a qui sont morts, mec. N'oublie pas. Là, t'as juste une plaie infectée. On te coupera une jambe quand on aura un moment. Parce que tu seras gangréné. Mais voilà, arrête de te plaindre aussi. Moi je comprends rien à ce truc là. On me retire les réserves d'outils. Ah oui, mais y'a personne qui bosse à l'atelier. J'ai chopé des tournevis. Les gens ont l'air vachement vénères hein. On sent qu'il y a des gens qui ont pas de cellules quand même. Hein. Un petit coup de tasse. Fait toujours du bien un petit coup de tasse. Ça détend. Ah, on se fait toujours taser un petit coup à la cantine, c'est bien. Mais au moins tu vas dormir. Dis-toi que tu vas pouvoir profiter de dormir. Je pense que le problème c'est que vu que mes cellules sont pas d'assez haute qualité, c'est ce qui fait qu'on a des problèmes puisque les cellules là elles sont considérées comme étant genre si je fais logistique. Non c'est où? Oh, non c'est la qualité des pièces. Non bah attends, on est à 10 sur 10 là. Catégorie 10 moyenne. Mais il te faut quoi pour atteindre celle du dessus? Tu te fous de ma gueule là ou... Non parce qu'à un moment donné le jeu arrête de te payer ma tête aussi. On est à 10, on est au maximum. Pourquoi elles sont inoccupées ces cellules? Pourquoi elles sont inoccupées? Attendez, c'est quoi ces conneries? Bah, elles devraient être occupées ces cellules. Bref. Ok. C'est ça? Ah c'est du gazon. Ok ok. Eh bien je ne sais pas si un jour on pourra finir cette inspection. Si si, bon, on la finira à un moment donné mais
Donc qu'est-ce que c'est long quoi. Oh, ah, les inspections 70 gardiens, je peux pas monter à plus là hein, quand même hein. Ça va se voir quoi. Ça va se voir qu'on veut déclencher une guerre en fait. Une impression comme ça. En personnel on a combien? 22 mecs armés. Peut-être un petit peu abusé. Un petit peu hein. Si j'ai abusé c'est vraiment un tchopo. Pas déconner. Pas déconner non plus. Regardez maintenant, les gens sont sages. Fouillez-moi ce type. Fouillez-moi ce type. Fouillez-le. Tout de suite. Plus personne réussit le programme, c'est le bordel. Cette prison est bordélique. Et mon premier problème, c'est ces putains de minuteurs de ces morts. Ah, t'as tout gagné toi. Hein. T'as tout gagné. Hein. Ex-agent de la loi et balance. Oh ouais. 47% de chance de récidive. Ah ouais, t'es quand même une ordure. Quand même une saloperie de pourriture communiste toi. Attaque d'un détenu, attaque du personnel, infliction de blessure, grave possession d'armes. Ah bah, à part attaque du personnel, nous le reste c'était pas grave. Balance, ce prisonnier est un informateur connu. Ça pourrait être en danger. Ne laissez pas trop longtemps seul avec d'autres prisonniers. Vous allez travailler dans la police ou avec des forces de l'ordre, ça pourrait être en danger. Ah, t'as peur de mourir, Jack. Je sais pas trop le problème, ça. Allez, on le relâche. Non, allez, vas-y, on va être sympa. On le confine en permanence. Là, c'est quand même un ancien flic, donc il y a un peu de prestige à avoir avec un ancien collègue. Qui sait, il a peut-être dérapé sur la gâchette. On n'est pas, on n'était pas là, on peut pas savoir. Voilà. Donc à un moment donné, faut être honnête envers soi. Et faut se demander pourquoi ces connards n'ont jamais voulu finir le réseau. Alors pourquoi ils n'ont jamais voulu finir le réseau? Parlez-moi dans les commentaires. Ça fera genre il se passe quelque chose. Enfin genre il s'est passé un truc et tout. C'était ouf. C'était ouf. De la classico standard. Ah, très bien, on est monté à combien de cellules? J'ai combien? Combien ai-je de cellules, s'il vous plaît? Cellules, j'en ai 102. Bah, très bien, regardez. Hop. Paf, on va finir sur un petit billet. Parce que, quand même, on mérite un peu. Hein, tout ce qu'on s'emmerde avec ces gens-là. Faut 100 connards. Allez, je prends l'argent. Comment ça en cours? Comment ça en cours? J'ai 100 cellules? Ah, c'est parce que j'ai pas refermé les portes. Et puis il n'y a pas de cantine pour ces cellules. Très bien, intéressant. J'en prends bonne note. Donc on finit même pas sur une bonne nouvelle. C'est vraiment ça, vraiment ma vie c'est de la merde à ce moment là. Construis-moi un gros bâtiment de briques au milieu. Voilà. Je dois avoir ma porte nulle. Merci pour ma porte nulle. Ah, la sauvegarde. Et parce que sinon j'y penserai jamais la fois prochaine.
verrouille ouverte comme tout le monde. Tirer 3 tuyaux, sinon je vais râler la prochaine fois en disant pourquoi j'ai pas de tuyaux. Ok, ça ça marche, tac tac, il me manque des tuyaux au bout. Voilà, je remets des tuyaux à la con. Donc ça c'est bon. Et il faut du jus là-dedans. Allez, c'est parti. Un petit tour de jus. Allez, non, pas sur les tuyaux. À côté des tuyaux. Attendez, il n'y a pas besoin de partir aussi loin. De là, ça suffira. Voilà. Et nos cellules, elles seront valides. Voilà, dès qu'on aura une cantoche, bien sûr, tout ça, mais en attendant, on aura le courant électrique. On va pouvoir construire de la haute sécurité et donc pouvoir basculer toutes les personnes qui agressent du personnel et qui tuent pourront basculer en haute sécurité. Et ce sera le fun. Bon, ça sera pour l'instant, puisque après l'objectif c'est que évidemment tous ceux qui posséderont des armes iront en haute sécurité. Tous ceux qui feront une attaque sur le personnel iront en très haute sécurité. Et tous ceux qui commettront un meurtre iront directement couloir de la mort. Voilà. Parce que c'est ça qu'on aime. Je crois qu'on peut les balancer. Attendez, tu sais quoi? Je vais vérifier maintenant ce que j'ai des couloirs de la mort. Allez, tété, faut arrêter de déconner là. Moi j'ai, messieurs. J'ai le droit de tuer des gens. J'ai le droit de tuer des gens. C'est où? Hein? Vous êtes quoi vous? Quoi? Ah, c'était peut-être avant que je modifie. Il est où ce con? Ah, ils sont là. Ok. Ouais, bon, si vous voulez. Allez, c'est là. Alors, ce chili, ils sont bien là, hein, là où ils sont. Hein. En vrai, ils sont VIP quoi. C'était pas le problème, c'était pas ce que je cherchais de toute façon. Je cherche autre chose. Alors. Si on part sur un meurtre. D'accord, donc là tu passes en super. Là tu passes en. En haute sécurité. Max supériorité. Et on est bien. On est bien. Haute, très haute et super. Mais en super, je sais pas c'est quelle couleur. Faudra voir. Faudra que je fasse un quartier spécial super sécurité. Mais je crois pas que ce soit faisable par le jeu. Condamné à mort seulement. Haute sécurité, serveur. C'est préventif. Surveillance préventif. Pour entrer dans ce secteur. Ça doit être E. Sécurité préventive. Les super sécurité. Les ultra ultra plus plus. Attends, on finira jamais de la fouiller cette prison. Oh! Jure, hein, il reste pas grand chose, hein. Jure, mec, hein. Jure. Jurez, les mecs. Allez, fuyez-moi ce bordel. Putain, ça n'avance que si j'ouvre les portes. Oh, le mec, il se fait pas du tout emmerder pendant qu'il dort. Allez! C'est bleu! Allez, fouillez-moi ce clodo! Fouillez-moi ce type là! Allez! C'est plus. Ah, tu prends taille, hein, mec. Hein. Donc là, tu prends combien déjà? Possession d'armes, c'est ça? Possession d'armes, isolement, 48 heures. Gros stuff! Tu l'as voulu. C'est beau. Ah, lui, il était sage.
Vous allez quand même me trouver une merde là-dedans. Et il doit planquer un truc dans ses chiottes, sûrement une lime à ongles. Il a l'air d'avoir une tronche à se faire les ongles. Non, bah la première vue se faisait pas les ongles. Et vont pouvoir finir ça. C'est incroyable, hein. Je sais pas c'est quoi le minimum placement là. Rope. Ah c'est des cordes. Ah oui c'est pour s'évader. C'est vrai que maintenant ils peuvent passer par dessus les barbelés, mais c'est vrai que j'ai bien barbel biche. Donc on est relativement peinard pendant un certain temps. D'ailleurs ce qui me fait penser que hop, on aime bien les barbel biche. Allez des zoom, hop et re-zoom. Oh l'autre ici non, il peut pas rentrer chez lui quoi lol. Je pense que parce que j'étais trop dézoomé. On a un peu plus de zoom. Parfait. C'est un peu cher cette histoire. Hein. Ah, un premier décès. Ça fait plaisir. On réduit nos effectifs. Je me rappelle que c'était. Alors, pour ceux qui sont un peu nouveaux éventuellement et qui seraient par miracle encore là, on sait pas, ce qu'ils foutent encore ici, mais bon. Au cas où, faut savoir que c'était une technique. La technique de l'usine à gaz en fait. Le monde n'est pas très joli et c'est pas le vrai nom. Mais l'objectif c'était de mettre les mecs dans des conditions extrêmes de travail extrême et d'oppression continuelle, à tous mélanger les uns les autres, pour que soit ils s'entretuent, soit ils se suicident, soit ils attaquent un gardien, et en fait ils se faisaient tirer dessus à vue de nez. C'était bien entendu une stratégie très, très intelligente qui consistait à gagner du fric sur les gens qui pétaient des plombs, qui suicidaient. Et ainsi permettre à de nouvelles personnes rentrant et on ne bossait plus qu'à la prime. Voilà. Donc c'est à peine rentable sur les moyens de sécurité. Donc bon, là où tu fais des grosses économies, c'est que tu nourris personne. Ouais. Eh oui, tu nourris personne. Il faudra qu'on se refasse ça, hein, la petite prison aussi du suicide. Ça c'est parfait, t'arrives, tu nourris personne, t'as pas de frais. Pas d'entraînement, pas de gens qui va à l'école, c'est quoi ces conneries. Si tu voulais à l'école, fallait y aller avant d'aller en prison. Voilà. Voilà. Fallait y penser avant quoi. Si tu voulais aller à l'école, voilà. Oh, pourquoi j'ai vu qu'il y avait un trou là. Ah c'est en cours, c'est parce que c'est en cours. Ok. Ça a l'air bon. Ah, on enchaîne les décès. C'est bien. Moi ça m'intéresse énormément. Il y avait encore un petit peu. Bon alors trio. Ah tué par un gardien armé d'un fusil à pompe. Ah c'est efficace hein. Ah le monsieur avec le pépon hein. Qu'est-ce t'en penses toi? Comment tu t'appelles? Staniel Stein. Ton nom c'est de la merde, on va t'appeler Stan. Me dis pas my name is Stein, hein, parce que sinon tu vas m'énerver. Ton évaluation ça donne quoi? 2%, il est sage comme une image. Il est sage comme une image. Lui il va sortir à 10. Ah t'as quoi? Ah oui, alors toi, oui, ah, d'accord. Je pense qu'il a, il a dû faire une connerie à un moment donné, il a fait 105% de son temps en cellule. Je sais pas comment il a fait. Il a fait 149% de son temps maté. Je sais pas comment il a fait pour. Mais de jolies stats, monsieur, bravo. Voilà. Destruction, possession d'armes. Ah, t'as fait le con aussi. Ah ouais, t'as cassé un truc. Ah, c'était pas une bonne idée. Ah ouais, du coup. T'as fait quoi comme truc? Cambriolage aggravé, dégâts criminels, cambriolage. Bon, c'est pas un vilain gars.
Voilà. J'ai presque envie de le basculer en... La surveillance préventive, c'est en dessous de très haute sécurité. C'est bizarre. Alors quand tu vois dans les grades dans lesquels tu peux les mettre, super, ça a l'air d'être vraiment le plus... plus déter, quoi. Ça a l'air, hein. Enfin, moi je dis pas, hein. je ne sais pas. Enfin, j'ai pas l'air de tout comprendre. Pourquoi il y a des plateaux qui traînent là? Bref, on s'en fout. On s'en fout. Normalement, bon, on a gagné notre thune là, non? Ah bah non, on gagne pas notre thune puisqu'on a pas nos cellules. C'est quoi ça? Enclos entouré par des portes. Ah bah oui, bah, des murs et des portes. Bah oui, mais bon. Faut que les mecs veuillent bien faire ça. Faites ça. Voilà, il a la pêche. Allez, va bosser, Doc. Arrête de rien foutre. Mais tiens, qu'il foutent rien. Je vois même pas pourquoi j'en ai embauché deux. Je devrais en avoir un. Zéro, voilà. Zéro, zéro, c'est bien. Ouais, à la place, j'embauche du garde armé, c'est bien. Ah, c'est le petit défilé. Regardez-moi ces gens qui se croisent. Voilà, la baisse. La baisse, ma gueule. C'est beau. C'est beau, c'est beau. J'ai pas construit des murs ici en fait, c'est ça? Ah, on est sur du mur que j'ai jamais construit. On est sur du mur en fait de... Je suis un con. On est sur... bah on est sur un mur des cons, donc forcément. Inévitablement. Hein? Alors attendez, il y a trop de portes là. Quoi? Je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai fait de la merde. Le médecin. Oh, les gens sont buggés quoi. Mais casse-toi, va voir ailleurs. Waouh, faisons un peu de déco d'ailleurs. J'ai pas fait la déco de ce truc. Ouais, je vous jure, je vais arrêter cette vidéo à un moment donné. Mais attends, je m'en fous, je suis tout seul. Tout le monde s'est déjà barré. On s'en cogne. Paf, paf. Parquet ma gueule. Paf. Paf. Gris, c'est ça. Et derrière, c'est un sol en mosaïque. Très joli, très très joli. Voilà. Voilà, voilà. Très très joli. Bon, ils ont pas eu le temps de poser tous les barbelés. Hein. Il y a encore du boulot. Ils ont pas tout fouillé, les gadgets. Hein. Vous l'avez fouillé normalement l'intégralité de la prison, non? Qu'est-ce qui clignote et qui vous reste à fouiller? Ah oui, mais c'est des trucs qui ont été vendus. Ah non, 274. Non, ça avance encore. Hein. Il y a des trucs qui sont encore en train d'être fouillés, ouais. Ah là, ils sont là. Ils sont en train de fouiller ici. Ok, très bien. Par contre là je crois qu'on est vraiment dans les derniers items. Après les gars, je crois que c'est du vendu. Objets sur 1412, est-ce que les deux derniers vont être trouvés? Je ne pense pas. Je suis déjà très étonné qu'ils soient allés aussi loin dans le chiffre. Deux derniers, ne mentons pas, ça doit être des bouts de bois. Ah si, il y en a un là, je le vois là, il est là. On peut
peux faire mash click ou. Non. Je sais pas pourquoi on régresse sur les chiffres, c'est très étrange. On peut voir les objets qui restent à fouiller, on a 1410 toujours. 409, tu sais pas pourquoi, ça régresse en objet. Ah, parce que t'as tout ce qui doit passer au détecteur qui vient faire chier le monde. Hein ? 380 sur 1412. Ah ouais, parce qu'il y a un con, ok. Il y a un type qui a fait le con. J'arrête la fouille générale, c'est bon. Pause. Je tiens quand même à préciser que malgré le fait que j'ai pas pu faire de vente aujourd'hui, on est en positif. Ce positif de la honte et de l'arnaque. Pourtant la dotation par prisonnier a bien chuté, pourquoi? Deux jours sans tuer personne? Quoi? Exportation. Plus d'ouvriers, plus d'exportation. En fait, les mecs qui arrivent à abattre les arbres, ils arrivent plus à les vendre. Et même là on voit, ça bourre encore, c'est pas fluide. Il faudra encore plus de fourmis pour vendre encore plus d'argent. Parce qu'on voit qu'il y a des arbres là qui sont encore debout, donc qui n'ont pas encore été abattus. C'est un scandale. C'est un scandale. Regardez, ça charge pas assez vite des camions là. Bon, on est encore en travaux. Officiel je crois. Hein. Non? Même pas, il n'y a plus rien à foutre. Pas beau ça. Incroyable. C'est beau. Ça c'est beau messieurs, ça c'est l'effet placebo. Je vais leur donner un peu de boulot. Hop. Voilà. Et c'est bon. Et bah sur ce, j'espère que vous êtes bien fait chier le temps que vous êtes resté. Vous êtes vraiment perçu que votre vie c'était de la merde et qu'il serait peut-être temps de vous trouver des amis plutôt que de traîner sur comme d'habitude gaming. Sur ce, je vous remercie de malgré tout d'être resté. Ou d'avoir sauté à la fin si vous êtes vraiment des trous de balles. Pouce bleu si vous êtes un trou de balle. Et bah à la prochaine, c'était Knarfang sur comme d'habitude gaming pour Prison Architect. Ciao.